Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons l'Allemagne. Lors de l'épisode précédent, on avait déclenché l'entrée du journal Le Printemps des Peuples, donc qui, si on accepte, partira sur une révolution. Sauf que non, j'ai envie de bien laisser une monarchie autocratique. Ouais, je pense qu'on va laisser la monarchie autocratique. C'est là. Ou du moins le plus longtemps possible. Soyons fous. Tiens, c'est marrant ça. Voyons voir. Oui, on devait aussi libérer la Pologne, la Biélorussie, l'Estonie, voilà. On avait fait tout ça. Et également améliorer le PIB de façon fou. Ah oui, on avait aussi une dèche de... On était en dèche d'employés. C'était très compliqué. Et c'est très compliqué d'avoir des employés. On a la production d'électricité. Hein. Et on est toujours en dèche de bois. C'est ouf. C'est fou ça. Alors, est-ce que ça... Est-ce qui serait intéressant... Waouh. Ouais, non, peut-être pas non plus encore. Oh, les routes commerciales. Ouais. Je me demandais s'il serait intéressant de passer en production électrique. On va voir. Là déjà, je vois que je vais avoir besoin de charbon. Je sais pas si j'ai des mines de charbon en cours. Non, mais ils doivent être en recrutement. Diffusion, anarchisme. Nice. Diffusion béton armé, ok. On va regarder ça. J'ai bientôt assez d'honorabilité pour annexer la Valachie. Voilà, et puis on ira ensuite sur la Bosnie, Bulgarie, machin. On va tout par là. Mais le problème, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, c'est qu'on a un saloperie de bandit en... Un dirigeant. Il y a un soulèvement autochtone au Vimbundu. Ouais, c'est un petit territoire. C'est pas très grand, dommage. On va voir si... si on peut le conquérir rapidement. Il y a un état qui est devenu... Ouais. Hop. On va incorporer le sud de l'Angola. Tout là ça grandit très bien, ça c'est cool, ça nous fait rentrer de la population en vrai. C'est la colonisation qui nous fait rentrer de pas mal de population. Et on va en profiter pour les mettre au travail. Vache, route commerciale, je sais pas avec qui, mais... Ah, les Français et les Britanniques, ah ouais, ok. Le charbon, j'avais eu l'impression d'en avoir fait... avoir fait quelques mines, mais pas assez. Donc on va refaire en Moravie, en Bohème. Voilà, on va rajouter pas mal. Et faible accès au marché. On va faire ce qu'il faut dans ce cas. Hop. 5 voies ferrées en Silésie. 4 voies ferrées. Et en Moravie. Oh la vache, ah ouais, c'est la dèche en Moravie. Hop là. 5. Allez, 10. 10 voies ferrées. On a la batteuse, cool, ça va nous libérer vachement de... Enfin, beaucoup de travailleurs. Donc, on va continuer comme ça. Chevalier de pompage. Pour les... ça peut être intéressant, ouais, pour tout ce qui est... production... tout ce qui est plantation, voilà. Donc ouais, je vais faire le chevalier de pompage, ça me dure 13 mois en plus, les recherches sont ultra rapides grâce aux nombreuses universités qu'on a fait. Attends, d'ailleurs je vais juste voir au niveau des institutions. Je pourrais avoir plus de bureaucratie. Ouais. J'ai une obligation 2, on va lever l'obligation parce que
On peut pas en faire grand chose. Tac, tac, tac. L'opium, ouais. Isolé, isolé. Comment ça, isolé? Kazembe? Bah. J'ai bien un port pourtant, non? Pénurie. J'ai des pénuries de ressources sur mon port. J'ai des pénuries de quoi? Pénurie de bateau et. Hein? Ah, attendez. Est-ce que. Bah non, j'en ai beaucoup plus de disponibles que de Rocky. Je sais pas. Il y a un mystère là. Ah bah c'est bon. Ok. Bah j'ai pas tout compris. Mais c'est pas grave. Bon. Alors, au niveau des bâtiments ruraux, on va faire passer comme on avait dit. Ah, la batteuse à vapeur, ça consomme quoi? Des outils du charbon. Ouais, tous des outils du charbon, ça me va. Enclos. Pourquoi c'était comme ça, ça? Les enclos, j'ai pas les enclos électriques, là ça me consommerait du fer. Allez, on va faire ça. Ça va me libérer, ça va me libérer. 400 000 postes. Oh, ils se sont fait embaucher direct. Ah non, ils sont devenus paysans direct, ok. Ah, j'étais content, je me suis dit... Oh, non, 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 ils sont devenus paysans direct. Ils sont repartis à la campagne. Ils ont bien fait, c'est bien la campagne. Faisons un petit tour. Ah, c'est vrai que ça aussi, je peux faire des transports à voie ferrée. Que je vais faire, ça m'économiser pas mal de travailleurs. Ah ouais, diminution de l'emploi, moins 460 000 ouvriers. Ah oui, 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 ah oui, je dis oui. C'est vrai que le bois, ça m'en bouffe des ouvriers. Ah, je suis qu'en scierie. Ah oui, mais non, j'ai les scieries électriques. Ah oui, mais il me faut de l'électricité. Bon, bah, on sait quoi faire. Hein. Hop, on va se faire une petite révolution technologique là, enfin productive. Là, tout ça là, hop là, on met tout sur le technomax. Là-bas c'est bon, là c'est bien, non là c'est normal si c'est différent. Électrique, j'en ai pas, marché couvert, on va le faire. Ça, oui, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, on va devoir... Ah oui, il y a ça aussi, oh la vache. Bon là, on va rééquilibrer le marché. Là, le marché, clairement, il va être en mode pénurie de machin. Enfin, très certainement. L'intérêt pour les arts photographiques en Allemagne a donné naissance à plusieurs nouveaux mouvements artistiques qui ont expérimenté cette technologie. On va gagner 4000 de progression vers le film, c'est bien. Oui, on va. Ensuite... Faible accès au marché, ok. Le charbon est cher. Le charbon est oui, effectivement il est très cher. Mais on en a un paquet qui va se faire. Ça c'est bon. Pas de pénurie, hein. D'accord. Ouais. Non, c'est normal, on en vend. On en vend beaucoup. Vraiment beaucoup de l'acier. La vache. Bon là on se défend mais ce sera pris vraiment tranquillement. Voilà, des tranchées au front. 4000 de progression. Sur la technologie défense en profondeur, on prend. Voilà, dès qu'il s'agit de technologie, nous ne sommes point avares. D'ailleurs. On est bien, on produit assez, on produit carrément assez en armes, pas besoin de faire plus.
À produire plus d'acier par contre. Je sais pas si là j'ai ce qu'il faut. Oui, j'ai assez de travailleurs. Donc on va rajouter. Non, il y a déjà un plus 5 en cours. Oui, bah allez. On va rajouter 20 aciéries. Et en béquet, on va rajouter 20 fabriques d'outils. Et 5 voies ferrées. Voilà. Ville d'abondance. Qu'il fasse la fête. Plein de loyalistes. On est déjà presque à 10 millions de loyalistes. Hein. On a également 5 millions de. Les radicaux, bon, ça c'est un détail. Voilà, là ça gagne tranquille au bilou. Voilà, ce sont des troupes construites en plus pour lui. Moi, c'est une armée professionnelle. Quand bien même il y a une manœuvre surprise. Ah, mais non, on fait une manœuvre surprise. Ah, c'est cool. Ans pour le printemps des peuples. Ça c'est toujours pas bon. Hein. Si. Si les IJ, ça va être bon. Mon ravi, ça va être bon. Ah oui. Faudrait faire grandir. Grandir. Oh purée. J'ai fait le mélange entre grossir et grandir. Ça fait grandir. Voilà, nouveau mot. Dans le dictionnaire, tu veux bien. Le Brésil commence à améliorer ses relations. Ok. Tiens, faisons un petit tour de la map. Ça se tape dessus. Le Canada, il est libre. Nouvelle-Galles du Sud qui prend l'entièreté de l'Australie. Ouais, et puis pas grand-chose. Hein. Bon, ici t'as les États-Unis d'Amérique, c'est pas ce qu'ils foutent. Ok. Ok, ça s'est terminé sur une paix blanche. Là t'as rien, t'as encore. Ok. Alors, on a annexé un petit nouveau territoire, est-ce qu'on peut faire de nouvelles colonies? Oui. On peut faire deux nouvelles colonies. On aura beaucoup beaucoup de territoire, ça c'est vraiment cool. On n'ira pas chercher plus loin, là. On fait juste de la colonisation là. Après ils se débrouilleront quoi. Moi, mon objectif il est en Europe, clairement. D'ailleurs, c'est combien pour faire un pays fantoche? C'est 15,9, donc dès que je suis à 9, on a famille. On pourra aller faire de la Valachie un pays fantoche. Oula, c'est la dèche en bureaucratie d'un coup là. J'ai loupé un truc. Bon. Bah. On va faire des. Des administrations gouvernementales, ouais, je crois que c'est ça le nom. Hop, tac, hop, voilà. Rajouter 13, ce sera pas mal. C'est bizarre quand même d'un coup. C'est quoi c'est. Ah, la petite bourgeoisie, ils sont passés à 4. C'est juste ça. À 5, t'as un bonus, il me semble. Plus 10% de bureaucratie, ouais, c'est ça. Oula! Ah oui, non, mais c'est normal, c'est les. Administrations qui coûtent cher à construire. Les outils, c'est en train de se faire. Le charbon, c'est en train de recruter ou pas? 31 006. C'est pas en train de recruter. C'est fou. Il y a une consommation de charbon. Bon. On va en faire à Brandebourg alors. Hein. Hop. En Bohème. Bon, Brandebourg et Bohème, par contre, tu vas avoir besoin de voies ferrées. Ouais. Et là, on va rajouter.
rajouter 5 aussi. Hop là, voilà. Bon, là, si on vient me dire que niveau charbon, j'en ai plus, je vais commencer à me poser des questions. Apparemment, on a une petite stagnation sur le PIB. C'est normal, on est en train de changer beaucoup de types de production, c'est pas très grave. Faut juste suivre ça d'assez près. Et ça devrait être bon. Mais toujours pas, ils sont trop radicaux. Moniteur disponible, tiens. On va passer en moniteur. Hein. Moniteur achevé. Rapide. Efficace. Ça c'est plus de puissance au cas où. Ok. On va essayer de financer. On s'entend avec eux. Ok. Attends, on va profiter, ça va faire une petite sauvegarde. La dernière à date, je crois. Et on va faire un pays fantoche. Là, un petit dernier les gars. Oui, vous là, c'est bien. Mince, c'est pas là du tout que je voulais. Voilà. Le Transvaal ne sonne plus en énergie dans son enlèvement. Ils sont où? Ouais, j'ai pas accès, je peux pas les aider. J'aimerais bien les aider, mais. Ils sont trop loin. Ok. Attitude positive. Dépensons de l'argent pour trouver un moyen parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir leurs conserves. Putain. 90 000 de dépenses par semaine pendant 5 ans pour trouver la technologie de l'ouvre-boîte quand même. Hein. Promu maréchal. Ouais, plus de d'approbation, on sait jamais hein, s'il y a encore des pensées radicalistes. Hein. Ça permettra d'absorber un peu plus le choc. La Russie soutient la Valachie, bon, comme d'hab. Les pauvres, ils sont tellement dans le mal. La Moldavie, qui se prépare à m'aider. Travail honnête, ça c'est cool. L'Empire Ottoman, encore? Là, je les avais pas. Pas foutu tellement dans le mal qu'il pouvait rien faire. Ah bah la France m'aide toute seule du coup. Ah oui, c'est normal. En allié, j'avais oublié. Ajouter l'objectif de guerre. Bah écoute. Libérer le pays. Qu'est-ce qu'il y a de beau à libérer? Lituanie, Lettonie, voilà, les deux petits pays là. Libérer le pays, Lettonie. Libérer le pays. Oh non, tiens, tu sais quoi même? On va se faire plaisir. On va se faire très plaisir. Transférer le sujet. Toi, tu vas me transférer le grand-duché de Finlande, tiens. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est les. Ah non, c'est où? Boukara. Ah oui, c'est là. Pierre ou Bolivie. Ils ne sont pas fait chier quand même. Ouais, tu vas me transférer le duché de Finlande, toi. Bon, ça va me rajouter un pouillat d'infamie. On est méprisable. Voilà. Mais. En vrai, ça va bien nous aider. Ah! Un soulèvement autochtone. C'était pas le moment, ça. C'était vraiment pas le moment.
On va prendre le OQG du Rhin. C'est vrai que j'ai des troupes qui ne servent pas à grand chose. Ah oui, surtout qu'il n'y a personne. Donc, le soulèvement autochtone à zéro, quoi. Zéro. Ils ont plus de troupes, quoi, les pauvres. Est-ce que je peux. Non, c'est pas ça que je voulais. Incorporer. Non, je peux pas incorporer. Qu'est-ce que ça donne? Oh là, ils vont abandonner, non? Moi, ça me va, hein, s'ils continuent. Hein. Tellement de libération à faire. Puis on chopera le Grand-Duché de Finlande en plus, donc. Tiens, on va commencer à les financer, eux. Eux aussi. En fait, je vais essayer de les faire rentrer dans mon union douanière. Ok, chevalier. On coûte combien? Ah, 9000 quand même. Ok. Ah oui, forcément, en plus, on découvre le pétrole. Fixation à l'azote. Engrais chimique. Oui, c'est pas si mal ça. Fièvre du caoutchouc. Oui. Anarchisme disponible ici, nous a déclaré comme pays rival et son attitude envers nous est hostile, oui. On va refaire de la production de moteurs apparemment. Hop, 5 voies ferrées, 20 usines de moteurs. J'en aurais besoin en plus, hein. Je vais consommer de plus en plus de moteurs. Donc ça va faire du bien. Ok, allez, n'abandonnez pas les mecs, n'abandonnez pas. Continuez. Yes. Bon bah, comme d'hab, hein, Allemagne, France, Moldavie, Serbie, état de trêve, contre eux, Valachie, Russie, Empire Ottoman, aux armes. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Invasion navale, vous la connaissez. Un. Hop là. Et une autre. Voilà. Double invasion navale. Là, ça passera pas. La Valachie, elle est en train de tomber. Lindi. La colonisation du Lindi est terminée. On peut en faire. Hop, impeccable. Ça colonise sec hein, par là quand même. Je sais pas quel est le temps de colonisation. 50 jours. 50 jours par territoire. Ouais, c'est vraiment rien du tout. Ça bouge pas mal. Hein. Oh, le petit coup de frise. Là, il passera pas. Là, moi, j'avance comme il faut. Voilà, eux, ils font leur petite révolution, mais rien de bien méchant. Voilà, là, tout ce front-là, il va tomber très rapidement, ce front-là. Je sais pas où est-ce que ça va passer. Ok. Ah, je voudrais voir, s'il vous plaît, 7 jours. Ok, 7 jours avant le débarquement. On a béton armé, ça augmente notre capacité de production, ok. J'ai quoi en cours? Ok, ouais, j'ai de l'acier, est-ce que l'acier... L'acier, il bouge pas. Pas d'accès au marché, tiens. Bohème. Ok, c'est bon. Donc l'acier, je vais devoir en refaire encore, c'est... Eh bien. On va en faire 30. Je pense que là je serai bon. Ah mais c'est parce que j'ai fait des outils, etc. C'est pour ça que ça m'en a consommé pas mal. Et des moteurs, s'il y en a en cours de construction. On va continuer à refaire encore quelques outils en béquet. Ah oh, c'est bon, je suis fou. Tac, allez 10. Voilà, là une interception mais. Mais regardez, hein, c'est. C'est pas la même technologie, hein. C'est clairement pas la même technologie. Hop là, j'ai vu que je pouvais incorporer un état.
Kazembe, hop, c'est parti. Ouh, on a bien augmenté le PIB là d'un coup. Il y a un endroit où... Ah ouais, j'ai un front ici où il n'y a personne. Attends, mais quoi? Oh oui, mais bon, c'est pas grave. Là, il, hop, voilà, il va se déplacer, il va l'avoir. Donc la Valachie est conquise. Là, on y est arrivé, c'est bon. Eux, là, ils doivent être en train de faire un gros forcing ici. Tiens, je vais pas tous les mettre d'ailleurs, j'en ai envoyé un là-bas. Quand même. Tiens, j'ai des troupes ici. Ok. On en envoie d'autres. Là, ça suffira pour défendre. De toute façon, j'ai des. J'ai des tranchées en niveau défense, le mec, il passera pas. Enfin, d'ici qu'il passe, ça mettra du temps. Est-ce que c'est tombé ici? Ça a l'air d'être tombé. Hein. Ah, c'est tombé. Hein. Oh la vache. Et du caoutchouc, ça c'est cool. Quand j'en aurai besoin, au moins. Il y aura de quoi faire. Là, on avance. Voilà. Il y aura une grosse libération ici. Oui, on va avoir mes militaires chers. Ah, cuirassés, ce sont chers. Ah, j'en consomme tant que ça en plus. Ouais, cuirassés, munitions. Et canon. Tiens. Bah, je vais augmenter ça, c'est important. Donc chantier naval, on pourrait manier. On va quand même vérifier que j'ai les travailleurs. Ouais, c'est bon. Allez hop, on fait ce qu'il faut. On va en faire une quantité. Dans tous les cas, ils sont subventionnés. Et le surplus en général, il va être vendu. Hein, il n'y a pas trop à s'en faire. Hop, ici j'ai les munitions. Et hop, usine d'armes. Hop, voilà. Ça devrait être pas mal. On devrait être plutôt bien. La Valachie va abandonner d'ici très peu de temps. J'ai une obligation de la part de la Pologne. Est-ce que je peux les inviter en union douanière? Pas encore. Notre niveau d'infamie est méprisable. Ah! Oui! Oui, non mais, enfin, t'inquiète. Voilà, la Valachie, elle est devenue fantoche. Un niveau méprisable, je suis à combien en vrai? Ouais, je suis quand même pas mal. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce qu'on les financerait pas? Je vais juste voir. Ouais, on va augmenter nos relations. On a l'arpentage de l'isthme de Suez. Donc on fera une offre appropriée pour construire le canal de Suez. Je pourrais faire aussi le canal de Panama. Mais je sais pas si... Tiens, on va faire ça. Oui, et puis voilà, on a maintenant le petit territoire en Sinaï, le Sinaï allemand. On va faire un port et le canal de Suez, voilà, toujours le port pour avoir les ressources nécessaires, avoir l'accès au marché surtout. Et mais ma question c'était, on peut pas faire le canal de Panama? Alors c'est parce que j'ai pas déclaré d'intérêt. Ouais, voilà, j'ai pas d'intérêt en Amérique centrale. Peut-être que ça me débloquerait le canal du Panama. Bon, tous les généraux se font déplacer, c'est un peu embêtant de cliquer un peu. Embargo terminé. France-Angleterre. Ah bah y'a personne ici, bah alors. Comme vous voyez personne là. Ils sont mes troupes. Ah oui, ouf. Tiens, hop, on va en envoyer. Un mois. Fin de la rivalité franco-anglaise. Eh bien. Les objectifs ont été en Bomangadi. Ok. Ça m'ouvre des colonies, donc c'est ce qu'on va faire. Est-ce que ça m'ouvre... Oui, le Sinaï allemand. Ah oui. Faut que j'incorpore le Sinaï allemand. Eh oui. Ça met longtemps ça. 21 ans. Ok.
Là, on avance. Voilà, ça va se faire tranquillou. Intérêt pour Amérique centrale déclaré. Arpentage de l'isthme de Panama. C'est parti. Putain, je pouvais faire autre chose? Ah non, c'est annulé l'arpentage. Ok. Donc là, on va arpenter l'isthme du Panama. Et on va voir. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié qu'il a un petit territoire, lui, ici. J'ai oublié ça. Ah, ça me fait trop rigoler. J'adore. Ok, on est amical avec le Borana, donc on va cesser de financer. On est amical avec le Chihuahua, on va cesser de financer. Franchement, faudrait qu'ils parlent de moi, là, les autres pays, pour dire on est un bon pays, machin. Ils veulent pas, pourtant. L'Égypte souhaite un pacte défensif. Attends, quoi? Ils veulent repasser en... T'as fait quoi, ça? Active l'institution de sécurité au travail. Oula, oula, non. Non, 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 pas de suite. Oula, plus tard. Oui, très plus tard. Et on va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Bah, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, on a bien avancé en vrai. On a un petit peu chopé d'infamie, mais bon, ça c'est sont les risques du métier, comme on dit. Voilà, on se retrouve comme d'habitude. Le lundi, le mardi, le jeudi à 11h pour les épisodes de l'esprit, le vendredi à 15h pour les épisodes de l'esprit narratif. Et le mercredi et le week-end pour les épisodes 2, un peu spéciaux de temps en temps. Allez, à très bientôt, c'était Thiob. Ciao!